Koni, c'est non personnalité qui pral gagner pour gérer transition, pour gérer période intérimaire là à titre de chef de gouvernement, à titre de premier ministre. Par consensus, conseiller président yo y arrivé fait choix, y arrivé désigné aux fonctionnaires Nations Unies comme nouveau premier ministre pays. Dans tout conseiller qui a voté, qui c'est 7, il y a 6 qui étaient présents. Adiane Oximable à Saint-Fleur, Guerrier Dieu seul. Information qui arrive jeune nous dit nous que fait quoi que c'est tout conseiller qui est là honnête qui vote Gary, qui choisit Gary, qui entend mieux sous Gary. Et on se demande, est-ce que si tout 9 conseillers ont été voté, est-ce que si tout 9 conseillers ont été présents, on peut joindre au consensus tout? Nous mettons toutes neuf là autour de choix Gary Koni. Qui est Gary Koni? C'est certain non, dis-nous en pile bagay, dans la mesure où il n'est pas nouveau dans la sphère politique là. D'autant que M. Koni est premier ministre sous administration Michel Joseph Martelly entre 2011 et 2012. Richardson Bigo, collaborateur, nous pral quand même présenter nous un papier sous biographie nouveau premier ministre Gary Koni. Cependant, nous même nous pas qu'à passer sous introduction journal la matin pour ne pas partager quelques éléments d'information qui capable aider moun yo bon idée sur la personne de Gary Koni. N'a retenu que M. Koni fait en 26 février 1966 dans Port-au-Prince. M. commencé fait premiers amener dans des structures organisées d'après notre déformation équipe qui partage avec nous en association pour le développement national dans le pays d'Haïti. Il fait état de plusieurs travails que l'on a fait en la structure ça. Il était développé et puis mettait en place un système de soins de santé primaire qui était gagné pour eux avec zone défavorisée dans Pétionville à Kinskoff. Et il travaille dans l'hôpital Schweitzer dans Deschapelles en 1999 comme expert en santé publique. D'après information Yobay, Gary Koni occupé plusieurs postes dans les Nations Unies, notamment en dans fond des Nations Unies pour la population, comme représentant adjoint dans le pays d'Haïti, conseiller régional pour Afrique orientale et centrale, conseiller technique principal pour la région Afrique là, et à un certain moment, il était coordonné programme mondial pour sécurité produits de santé reproductive. Après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, monsieur Koni était détaché en tant que chef de cabinet bon côté envoyé spécial pour Haïti ancien président des États-Unis Bill Clinton qui lui-même dans époque là t'a co-présidé commission pour reconstruction pays d'Haïti CIRH en 2011. Il a été nommé M. Koni comme coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur humanitaire dans le pays Niger. Après ça, il a été bondi en 2017.
et très récemment là un ensemble de pays anglophones dans Caraïbes là il t'a pris travail là-dedans toujours comme fonctionnaire Nations Unies. N'a pas songé sorti octobre 2011 pour arriver février 2012 qu'on était quand même font passage éclair dans plus haut niveau dans l'administration publique là dans l'état comme premier ministre bon côté ancien président Michel Joseph Martelly. Et n'a pas songé tout Gary Conille t'a pris à démissionner après des tensions qui étaient existées entre lui-même avec des ministres au niveau de l'équipe Michel Martelly, des monde qui étaient vlés gros chef d'administration ça, des amis Michel Martelly, équipe Michel Martelly, t'as un petit problème avec monsieur Conille. Et Gary s'est expliqué ça. Nous songer des accords, mes ententes qui étaient gagnées autour de enquête qui était l'ouvrir sous nationalité ou ensemble de monde under gouvernement et pourquoi pas le président Michel Joseph Martelly à l'époque. Nous songer Moïse Jean-Charles, sénateur de son état, était quand même venu avec un dossier comme quoi Michel Joseph Martelly était gagné double nationalité. Et ça t'a pris quand même mettre en tension dans le gouvernement qui devine fait que gon Jean yoté ouais monsieur Koné qui te rend li un petit peu inconfortable en d'administration ça. Et bien depuis après épisode ça en 2011-2012 Gary Koné li vienne servir comme détaché du PNUD bon côté présidente Liberia madame Hélène Johnson Sirleaf. Janvier 2014 à septembre 2015, il était directeur régional de l'UNOPS pour région Afrique. Et il était quand même impliqué dans une série de programmes que les Nations Unies lui-même mettait en place en réponse à une série de maladies dans le pays africain, notamment l'épidémie Ebola. D'après sa équipe, M. Koné partageait avec nous comme information. En novembre 2022, Koné était venu premier caribéen qui était occupé poste directeur régional UNICEF pour Amérique latine et les Caraïbes. Il était gagné comme rôle pour superviser travail UNICEF dans 36 pays sur la terre bénie. Et là, il a défendu surtout les droits des enfants qui, au plus haut niveau politique et dirigeant, ont équipe qui était dédiée à assurer qualité et efficacité. Soutien technique et programmatique souvelé projet ça. Gary Koné li gagné un doctorat en médecine dans la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti et en maîtrise en politique de santé et administration de la santé de l'Université de North Carolina à Chapel Hill. Gary Koné li reconnu tout parce que monsieur fait plusieurs pays côté li a fait des conférences sous des sujets qui viennent pour eux, notamment avec question santé reproductive. Monsieur fait des interventions, des publications qui viennent pour eux tout avec plusieurs sujets qui n'ont pas de compétences. Gary Koné marié, c'est papa de deux filles, ils sont jumelles, deux filles. Et Gary Koné parle anglais. Il parle français, il parle créole, bon Jean créole. Et n'a pas songé, c'est rein qui c'est un secteur en dedans conseil présidentiel là qui était proposé officiellement monsieur Koné qui lui-même guerrier du seul t'a pas joindre soutien ou ensemble d'organisations, ou ensemble de partis, ou ensemble de structures dans tout niveau que ce soit dans diaspora, que ce soit dans pays d'Haïti. Voilà quand même pour une idée de personnage ça qui pral occuper poste premier ministre pendant transition si là kabout le 7 février 2026. Gen moun depuis hier qui wè nouvelle la guerrier qui pas surpris. Yo di c'était quand même prévisible parce que non Gary Koné ce que vous devez savoir a cité depuis bien avant processus pour te inviter candidat ou venir déposer pièce yo te l'ouvrir officiellement.
m'bra là les plus loin information nous t'est disposé guerrier non monsieur Koni t'a cité conseil à bout quand même président. Donc ça veut dire quelque part vous t'ai gagné des bagages qui t'est parlé. Nous passons bon ici là et nous t'ai expliqué le tout. Semaine dernière, monsieur Koni t'ai gagné quand même en longueur d'avance par rapport à ses concurrents, par rapport à l'autre candidat. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Guerrier. Première raison, c'est que M. Koni gagne un très bon carnet d'adresses dans l'international. C'est vrai que la communauté internationale, ou bien le blanc, j'en remets, relé généralement, Patapra Alvin dit, monsieur Damio au niveau du conseil présidentiel, mais qui est-ce que vous choisissez comme premier ministre et que si vous pas choisi, vous n'avez pas privé. Même par élégance, vous n'avez jamais fait ça. Même si vous avez un candidat dans la poche. Cependant, il était fort difficile, guerrier de seul, pour conseil présidentiel là, tu as choisi un monde qui n'a pas de une bénédiction blanc ou bien pas de intérêt blanc. Par contre, tu comprends la nuance là, non? La communauté internationale, avec ses grands orients, gros pays, qui disent ses amis, Haïti, tu as pas de chaque grain conseil ou bien parti pour net pour dire, t'as des noms, mais qui est-ce pour mettre des premiers ministres? Tu n'as pas le droit de faire ça. Même si, tu n'as pas le droit de vouloir un monde, tu n'as pas le droit de souhaiter un monde même. Par contre, il est fort difficile que monsieur t'a choisi un PM qui pas ta joindre bénédiction blanc ou bien blanc pas ta avler etc. Et ça m'a expliqué là le date de jeudi hein. Moi parlé avec des anciens officiels, des anciens hauts dignitaires qui expliquaient gien de moun yo kon choisi pour une série de postes avant même pour choix validé faut ambassade américaine bay mobile. Au niveau de la police, il y a des grades dans plus haut niveau pour une série de monde. Faut ambassade américaine bay 10 zones. Gon ancien premier ministre Balavel qui dit gon le yo pral remplacer un ministre justice et puis gon non, yo attend yo souli lundi yo a parlé du chef de la primature également le président de la République d'alors. Mais président carrément dit PM là faut ta partager non avec ambassadeur pour regarder qui sa position les États-Unis y est. Et c'est après appréciation américain ou elle connaît est-ce que citoyen ça capable de justice ou pas. C'est peut-être triste de le dire mais c'est une vérité. Encore une fois moi chaque fois m'a dit baza comme haïtien m'a bon menti m'a pas senti mal à l'aise mais c'est la vérité. Il y a monde qui connaît nommé et au petit job là. Bien après. Sûr. Parce que blanc dit il pas mais forme tête ou bien il va lui reprocher ouais il y a des dossiers ouais. Par contre je comprends. Donc moi passé à ce niveau monsieur Koni t'a gagné quand même une certaine longueur d'avance. Mais deuxièmement monsieur Koni t'a une équipe très 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 sérieux qui t'a travaillé. Il y a des monadeo qui là-bas, il y a l'autre qui Haïti. Et équipe ça gagne des professionnels très chevronnés, des figures très connues dans série de secteurs en de pays dans vie nationale là quand même c'est pas on connaît qui était juste chita sous l'oriel qui dit comme li gagne blanc d'elle l'a simplement un signal blanc bay conseil là et puis pour conseil là lui-même valider choix information qui vient joindre moi données qui vient joindre moi. Monsieur Koni de une équipe qui est dans tout niveau. Pas pour sans raison, ouais, il y a des secteurs, il y a des groupes qui étaient venus eux-mêmes, c'est Koni lié tonton. Ouais. Donc monsieur Koni a rencontré pas monsieur Koni en soi, équipe Koni a rencontré monde, chita monde, pas la monde, Léo pas fait en présentiel. Yo fait les en ligne, par visioconférence ou bien appel WhatsApp, etc. Même avant processus là, et ça sont informations très importantes, ma banou, gagne moun nan équipe Koni nan tap rencontre des partis pour une et Koni en soi te parle avec des acteurs qui très impliqués dans la question du conseil présidentiel la gaye. Donc ça veut dire quand même que tu as un travail qui t'a fait. Par contre, avant vendredi, qui se passe là, avant vendredi, tout sortant de Nabdiou là, pas étonné nous que si CPA était tranché,
il était fort possible pour c'est pas Kony qui était premier ministre. Notez bien ça nous dit avant vendredi. Si CPI a été tranché, il était fort possible pour c'est pas Kony qui premier ministre malgré tout ce qu'on entend nous dire là. Ou bien tout même si Kony t'a passé guerrier du seul, il t'a passé dans beaucoup plus de douleur. Il t'a passé avec beaucoup plus de difficultés. Comprendre bien avant vendredi matin. Avait dit jeudi, mercredi si vous voulez. Si conseil a tape tranché sous premier ministre Rabiot qui est arrivé dans dernier carrière dernier round, pas étonné que le gain droit pas garé Kony malgré tout ce que nous avons expliqué là. Et même le tap garé Kony, moi j'aime pas bon mentir, tap gan pile gymnastique, tap gan pile effort. Raison simple, parce que tu viens de gagner deux gros candidats qui ont même tout. Tu es en pole position, notamment le candidat du secteur privé, M. Alix Didier Fizeme. S'il est vrai que en pile mon cap suive, déduit ou bien conclu, si tu as un candidat qui est arrivé dans le dernier carré, tu es guerrier du seul. Qui t'a tombé sous base critère, il était préétabli, il t'a prélé Alix Didier Fizeme, eh bien, ce Alix Didier Fizeme, guerrier de seul, t'es venu voir un mouvement guerrier, il était en très bonne position pour devenir premier ministre pays. En pile tractation, en pile négociation, il y a des deals qui proposaient, il y a des cobs qui étaient proposés guerrier, et il y a on va mon yoren men di et moi professeur Gérald Germain te répété l'ampile récemment on boucan en tan bouyi avec gen nèg ki gen tan a fon série de acteurs de dirigeants politiques yeux doux gen nèg ki gen tan a meté on série de conseillers présidents confortables et guerrier me parle avec un source qui généralement bien informé qui dit nèg yo te disposé une enveloppe allant jusqu'à 3 millions de dollars américains pour faire Didier Fizeme passer. Est-ce que quelqu'un comme ça te baille? Est-ce que quelqu'un comme ça qui t'a pris le bail? Comment il t'a pris le bail? Qui est-ce que t'a pris le bail? On ne sait pas. Mais qu'on y a là, il y a un bail qui t'a attiré attention. Pourquoi ça, monsieur Fizeme, pas moun qui réunit condition yo à 100% ou bien pas meilleur profil là, par rapport à critères yo de établi yo, t'es venu arriver non niveau jusqu'à ce que il était presque mettez puis on pile en dans ROA. Probablement c'est parce que monsieur secteur privé estimé avec Didier Fizeme à la primature donc moi ensemble de bail besoin faire au café puis bien moi ensemble de désir yo besoin satisfaire au ca satisfaire puis bien moi ensemble de projet au gain au ca puis bien atterri yo moi ensemble de privilèges yo t'ai perdu yo pensé au capable gagner yo parce que au moins gagner. Il y en a deux bas dans le secteur privé qui pas un problème à un certain moment pour être pauvre. Moi, il y a qui ont été Didier Fizeme premier ministre. T'as ça tout. Et c'est ça qui fait à un certain moment, nèg yo te vinn quand même mettre équipe Kony là dans une situation d'hésitation. Ou quoi c'est Kony les puis ou quoi nèg yo pas pral blou Kony, ou quoi Kony a passé, ou quoi Kony lié, coup de fil à gauche, coup de fil à droite et cetera. Hésitation. Mais ça qui pral changer donné yo et me penser qui pral mettre balance dans bon côté Gary Kony, c'est la note de l'ambassade des États-Unis en Haïti hier. Et nous t'ai essayé analyser notre là vendredi matin avec c'est lundi matin, avec zami yo côté n'a expliqué yo notre ambassade là pas innocent. Les ambassades la fait sortir note là, il choisit, multi choisit yo. Nous pas besoin retourner sous yo. Yo gagné on va qui vient joindre yo comme et feedback, yo gagné des éléments d'information qui vient joindre yo et puis yo tout lancer pinga. L'autre des nèg yo dit ou n'a pas tant avec impatience pour le ministre et li choix doit fait sous base mérite technique. Et avec impartialité et transparence, etc. C'est parce que
nous autres, nous t'ai expliqué ça très bien. L'ambassade des États-Unis ou bien les Américains, yo prend un centre gon bagage qui capable venir qui pas forcément ça été souhaité ya. Ya y est seul. Et c'est notre ambassade là qui t'est venu quand même mettre on série de l'autre candidat dans l'inquiétude, notamment deux candidats qui étaient quand même après connu très bien placés pour te venir diriger transition comme premier ministre. Gagne un conseiller qui vient avec une proposition de débat, mais gagne de l'autre monde qui fait quoi tout guerrier cette initiative pour te organiser débat entre cinq conseillers ou bien pas conseillers entre cinq candidats ou bien candidats. Il était quand même gagné en finalité. Par exemple, le monde qui parle avec très clairement, il dit que c'était pour mettre Kony out. Parce que nous étions très tranchants, il dit bon, il faut que Kony rentre. Par contre, vous comprenez, il faut que Kony rentre parce que Kony n'est pas carité, l'autre bord, etc. pour ne pas venir sur le terrain pour qu'on se débat qui fait. Il était exigé ça même avant, il était tranché. Mais j'aime expliquer ça, monsieur. Il y a un côté passé qu'on est d'abord levé un bon matin et il démissionne des Nations Unies, il vient là, il n'a aucune garantie. Et ça fait 11 ans, il dit grande garantie qu'on est devenu négio Bali et que lui-même il est tout. Gros grande condition pour rentrer là, c'est arrêter à pour sortir. Arrêter à sortir jeudi, la rentrée demain ou bien probablement arrêter à sortir dans matin, la rentrée à soir. Au moins laisser la rentrée tout premier ministre. Mais ça fait n'a rentrer là, par contre côté le garde t'as l'autre des données changées, n'est du politique la dynamique, on dernier coup de fil qui fait là, vous entendez connait idée. Pense vous comprenez. Donc on était quand même très prudent, les nèg ont fait l'exigence ça. Donc ça t'a veut dire ça, si nèg connait pas 40 ou connait pas rentrer. Et puis on vient avec une question de débat en public. Côté tout le monde qui a vivre là, journaliste a posé question etc. Donc on d'accord. Pas là qu'on est quand même d'après le gagnant, pas qui va forcément dans l'intérêt. Monsieur Kony, les ça, en pile monde qui t'a supporté Kony, il en moué, société a tout il en moué, des observateurs avisés dit bon, côté nègre vini avec question débat, ça, même le débat pas une mauvaise initiative, mais le fait qu'il pas de prévoir pièce côté, donc est-ce que c'est pas des coups de mal taillés qui ont fait pour aboutir à des bagailles et pour satisfaire une série de groupes ou bien une série de monde en dans ces pays? C'était ça. Jusqu'à ce que nèg yo réuni lundi à guerrier yo fait bac par contre yo pas annulé le net peut-être yo annulé format mais pas annulé net yo va pas être trop laid et puis yo dit yo va recevoir candidat en audience comme ça en audience après bien sûr yo fin publier souvle et décret qui gagne pour avec organisation fonctionnement CPA, il y a gagné pour trancher son nouveau premier ministre. Guerrier de seul marron tout est passé dans zone Musso hier. Hier gagné des sympathisants en série de candidats dans course là et bonne rara mayo qui vient supporter qui vient supporter candidat. Oh ouais. Et vous salut. Alors candidat Belizer, ingénieur Fritz Belizer. Ah bon, ça a plus belle toujours, mon cher. Mon ami qui fait poste là, au fini de partager avec moi. Je t'ai dit aux amis ça hier soir, moi-même. Pendant partisan Fritz Belizer, je me suis dit si vous ne pas Fritz Belizer comme PM, il a crasé le conseil là. Et puis, vous représentez Petit Desalines pour aller voter Kony à tout dépiel. Bon, disons, pour aller entendre sous Kony, pour ne pas dire voter, c'est le processus. Qui va entendre sous Kony à tout dépiel, tout dépiel. Mais, il y a un petit comme qui débat à au maillot fait, pandrol, panrara, machine, réunion sous réunion, conseil de hôtel, Petitville, là, qui font belle corbeille, il n'y a pas de processus ça. Réunion sous réunion, vous comprenez, nèg qui a rencontré moun pour nèg, nèg qui a fait, et intermédiaire. Ou tel nèg à tel nèg, conseil après contre le monde. Ok, conseil qui mange quelque chose comme tout. Bab dit qui est. Oh, vous voyez, il y a des qui mange quelque chose comme tout. Mais vrai, comme là, il y a une dernière minute, il y a un bail. Ronde de l'Europe fait élection en Haïti, mon Dieu, par contre ça. Il y a un jour, c'est dans le dernier. Le yo, il y a une élection. Et bien, le dernier, il y a un passé. Tout ça, il y a un pour faire. Pour virer bah là en faveur c'est dans dernier moment où vous zone lève bureau de vote pour le fermer comme mettre des yeux etc mais on va comme ça que t'es paré tout mais ambassade là dis nèg attention moi t'es parlé nous de nèg qui dans secteur privé qui reçoit des appels
Moi, je parle de ça. Mais tout le monde est informé, papa. Mais tout le monde est informé. Mais c'est ça, moi. Je ne dis pas que qui est dans le secteur privé. Je ne dis pas que qui est dans le secteur privé avec ce qu'il y a des warnings. Eh bien, je dis qu'il y a au moins deux. Je dis attention. Si vous avez Washington, c'est juste. Je dis attention. C'est pas bien, je dis qu'il y a un cop qui est parlé comme elle a belle. Pour aller utiliser visé mes amis. Ah ouais? Bon, comme qui est parlé pour débattre là. Comme la table belle, qui a dit ça. Aïe, aïe. Bon, bon citoyen qui dit, malgré que tu aies un partisan, ça qui t'a manifesté, dit, bah, et représentant petit, de ça, les nouveaux livres, nous faisons parler de caisse, nous faisons parler. Je dis, moi même tantôt, dans la caisse, je dis, bah, je connais. Bah, je connais. Je connais, je connais. Effectivement. Alors, il y a des gens qui disent, ah, c'est une mise en scène parce que les gens te gen tan konnen que c'est koni y a choisi parce que yo pa met tête yo li possible mais gon l'autre analyse ou ka fait tout pa bi ou pa obligé esclave blanc mais sauf que l'ordre désobéi met là guerrier li gen des conséquences nan histoire pays ça moi penser m'pa vle citer mais moi penser gen des moun qui agit de déjà dans ce contraire, intérêt blanc. Je pense que c'est ça. Oui. Mais sauf que il y a des conséquences. Oui, ça me l'a dit par là. Ça t'est arrivé, la communauté internationale, les États-Unis en particulier, t'es souhaité c'est X ou bien Y qui pouvait une PM. Et bien, ils ont décidé autrement. Hein? Oui. Mais sauf que, décider autrement, orgueil international va avoir le quoi, c'est bravo pour regarder comme ça. L'étape gagne des conséquences. Par exemple, je garantis si vous mettez. Monsieur Fizeme, premier ministre pays a, n'a pas risqué gros. Donc pile bagarre qui est arrivé. Il est capable comme BM, parce qu'on est capable. Parce que c'est yo qui pouvoir vrai. Même si tu as des blabs fait si ça fait ça, c'est yo qui pouvoir vrai. Mais n'importe bagarre qui est arrivé, gien nèg qui doit sous sanction, gien nèg tout qui doit la justice suivre au petit dossier où tu gagné ou bien des notes cité. Par contre, se comprendre. Quand ça tout, PM n'a pas eu une situation difficile, quand il y a des blagues, il n'y a pas eu de avec lui, jusqu'à ce que ou essaie de retirer ou retirer le mouton. Ça t'est arrivé. Et ça fait que je dis ça déjà depuis lundi. Je dis au moins, comme le processus a fini, quand il y a un cité, je dis que le candidat à la Sénat, il met le premier ministre, il a pris ce gros. Il m'a parlé de M. Fizeme. Par contre, je comprends. Il y a des gens qui comprennent ça n'a pas fait dans le sens côté nous. T'as supporté Gary Gonet ou bien nous t'as fait promotion Gary Gonet. Jamais. Pas de yon nan moun qui te nan processus là que moins qu'on a ou bien bon balave. Pas de yon nan yon qu'on a face à face ou bien bon balave. À l'exception, le bat même rivé dans 4 et 5 là non, professeur Gérald Germain que nous te gen chance, gen un échange téléphonique. Avec tout l'autre candidat m'a koné ou ni en pet ni en peinti. De l'ou m'a koné ou ne ou m'a koné. Mais information que je te gagne fait que je bagarre moi te gagne anticiper sur yo parce que comme journaliste non position quand même privilégié bon série de acteurs si ne relé la guerre du seul c'est certain après pour nous plus rapide que si nous sommes citoyens ou d'accord oui dans pile journaliste là que le te guerre que le te moi que le n'importe l'autre confrère qui est capacité pour le conseiller président pour parler avec nous avons parlé en sous proche conseil, nous avons parlé des dirigeants avec des dirigeants politiques. Donc, il y a dit non. Sauf que, il y a pile manipulation là-dedans, nous faut dire ça. Il y a pile manipulation là-dedans. Parce que l'heure les négats pour dire, tant de nommés sont arrêtés, mais qu'on est, il n'y a pas de chèvre, ça ne fait pas bien, ça ne fait pas d'intérêt là. Donc, c'est où pour qu'on est, pour confronter sous-sous, pour parler à un tel ou à un tel, pour garder. Pour croiser sous-sous. Pour croiser sous-sous, voilà le mot. Mais c'est ça que fait, nous avons dit, oui, bah là, c'est vers qu'on est, il a dirigé, c'est à partir de information que nous avons gagné. Mais ce n'est pas parce que nous sommes venus entrer dans des matchs, nous avons fait pour nous connaître, pas quelle idée. Oui, oui. Mais comment ça va? Il y a des fois, nous avons confondu souci information. Ouais. Si nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps sur le détail. Je dis que nous avons tout parlé avec nous, nous avons fait un peu de temps pour nous connaître. Mais ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas moi qui invente. Oui. Comme auditeur, comme internaute, je dois une chance en plus comme journaliste moi-même, moi une chance de parler avec des acteurs, des gens qui dans la cuisine, des gens qui a préparé et m'a donné une autre information. Dans la journée hier là, il y a un gros
ambassadeur ou bien gen ambassadeur un gros pays dans pays a qui relè au moins deux dirigeants politiques me connaît. Gen on relè la midi, gen on relè aux environs de 1h yon sa guerrier de ça. M'bral ba ou guerrier. Li pas fait pression sou yo, non, c'est ton échange cordial lui d'après ça me comme information. Mais c'est très tendancieux. Ambassadeur relè ah qui nouvelle comment ça est là, comment ça est pour connait par exemple. Dirigeant politique qu'une très connaît et on voit qui vaut et représentant en dans ces pays probablement pas la plus dirigeant politique toujours mais au moins me dit nous on deux yo et leur non parce appel ça c'est ton appel gratuit nous doutons très fort il est qui pas dit qui d'elle nous doutons très fort monsieur on peut se remettre dirigeant politique zami comme ça partenaire comme ça d'après les dirigeants politiques vous demandez à midi si on prend lunch et ça le demander non mais il est pas au gouvernement. Bon, nèg yo décidé yo pas là bas voter à guerrier. T'as le droit de là yo entendu yo. Yo jeune consensus là entre yo, yo choisi Gary Koenig. Mais yo te recevoir candidat en audience comme prévu parce que depuis dans 10h yo m'apprendre que yo t'a parlé avec ingénieur Fritz Belizer. Et yo dit nous bon 11h40 midi moins yo. Yo devine recevoir Paul Antoine Bien-Aimé. Bon midi 30 yo comme ça, on croit au pin pas Gary Koenig et puis 2h Didier quelque chose comme ça et puis dans dernier l'heure en fin d'après-midi on parle à Rodolphe Joisil. C'est dans 4h, il y a des échanges qui durent 30 minutes, qui durent 45 minutes, qui durent 1 heure de temps, c'est dans intervalle ça. OK. Comment avez-vous? Bon, je comprends. Et vous êtes un petit désaliné. J'aime j'ai appelé cette machine avant de qui premier ministre déjà. Chef là ouvert corps. Oui, ouvert corps. Et pas représentant non et premier ministre proposé ingénieur Fritz Belizer. Bah le monde pensait m'a parler de Emmanuel Vertilaire non. Parce que at the end of the day CP a fait trois bons coups là, même si on prend pile temps. Il a franchi trois étapes, m'estimer qui crucial dans le processus de transition à guerrier. Première étape, il a franchi, il a arrivé à publier décret qui vient pour ou bien qui détermine l'organisation, le fonctionnement de CPA. Deuxième gros coup, il a fait guerrier, il a publié résolution qui vient pour avec principe présidence tournante là. Donc, désormais, Edgar Leblanc fils le président pour 5 mois. La fête selon ça autant t'entends sous lire. Après elle c'est pour Smith Augustin, après elle c'est pour Leslie Voltaire et puis Gérald Gilles, j'ai autant prévoir ça. Et troisième gros coup CPA a fait là c'est le choix du premier ministre pour ses verbal arrêté qui nomme là ou bien qui gagne pour avec choix t'a dû incessamment publier et me penser le t'a dû faire jeudi. Maintenant qui ça prochaine étape yo next step, c'est formation gouvernement. C'est-à-dire, le premier ministre est prêt à le gagner pour l'Ichita avec conseiller président yo, pour yo choisir moun qui prêt à le faire partie nouveau cabinet ministériel. Là. En réalité, exercice ça pas tadou un exercice difficile. Raison c'est parce que au niveau du conseil présidentiel, un ensemble de partis qui étaient entendus eux-mêmes sous qui ministère a mis des mains, sous qui direction générale a mis des mains. Il prend tout simplement en question de mettre nom sous eux. C'est ça supposé. En plus, Gary Koenig était parlé avec des dirigeants politiques qui sont des acteurs très importants. Dans la partie que vous voyez, dans le secteur que vous voyez, probablement que vous avez discuté, que vous avez entendu sous lui. Donc c'est certain, non semaine, on exerce ce constat à une simple formalité. Sauf au niveau de parti, on y a là, capable de gagner des difficultés. Raison en simple. Il y a des redevances envers des gens. Il y a des gens qui disent vous allez mettre au ministre, ce ministre là. À un certain moment, il y a une évolution. Vingt de l'autre monde qui est imposé ou de l'autre non
des dettes morales ou bien des dettes à proprement parler, guerrier du seul. Envers une série de monde, c'est le moment pour être capable de récompenser. Par contre, vous comprenez, il y a des nègres, tout, des conseillers, qui ont commencé à manger l'argent en série de monde. Ils pensent qu'ils ont des redevances avec vous. Et je pense que c'est là qu'ils ont plus de difficultés pour le sortir. Par exemple, il y a des gens qui ont dit, ok, je vais mettre guerrier Dieu seul, ministre santé, par exemple. Ça, il aime faire qu'il y ait dans le conseil là. Oh, guerrier, t'es pas là, guerrier entré, guerrier qu'on est le ministre santé, etc., prend toute disposition. Mais parallèlement, à Diane aussi, Mab Saint-Fleur, Léa fait pas de bon. T'as acheté ton caillou pour moi, mais t'as acheté ton machine pour moi, t'es aidé pour moi. À Diane, il vient de me non. Et Johnny. Et vous avez ou même qui a un contrôle santé, eh bien, il n'y a pas de lien, non, parce que Jimmy Clédy a gêné. Et il y a des partis qui peuvent faire face à un série de bagages comme ça. Il y a des groupes qui peuvent faire face à un série de bagages comme ça. Parce que, deux, trois semaines avant, le cabinet de Guetta monté, il y a des gens qui ont dit qu'il y a 7 mètres. Et bien, il y a un paquet de données qui changent dans l'intervalle là, qui nous dit que nous n'avons pas là encore. Car il y a des frustrés. Ça ne peut pas poser de problème. Il y a éclaté là, nous avons venu. Deuxième bagage, tout, faut que M. Kony parle prendre un piège. Probablement, il dit ça, l'homme à bord du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. L'homme a négocié à Négo, sûrement, Négo a fait des exigences. Bon, je suppose. Il était vrai franc parler avec Négo. Mais on dit par exemple le fait que le début du premier ministre à tout prix, tout ça Négo te dit, il dit oui. Il n'y a faut pas prendre un piège à côté que le pral baille tout Négo pouvoir et puis le même comme premier ministre, il vient en figurant. Pas on se comprend. Parce que leur premier ministre, c'est certain qu'un ensemble de ministères clés ou obligés de prendre tout sur eux. Si vous n'avez pas pris tout sur eux, c'est comme si vous n'avez pas chef gouvernement. Oui. Il y a d'ailleurs ces ministères finances. Par contre, vous comprenez. Même les gens pour question de sécurité, vous n'avez pas chef CSPN, vous n'avez pas un contrôle et ministre justice ou vous n'avez pas contrôle ministre défense ou. Et vous n'avez pas contrôle ministre justice, probablement vous n'avez pas un contrôle directeur de la police ou tout. Ou vous n'avez pas rien. Donc, faut que monsieur pas prendre un piège, parce qu'il y a des vautours. Il y a des aloufas, il y a des nègres qui veulent tout pour eux là, qui prennent le va, parce qu'on a parlé quand même de 18 ministères environ, on a parlé de quelques secrétaires d'État, on a parlé de quelques organismes autonomes. Donc, pour partir de là, pour les nègres qui sont là, pour les gens qui ont filé pour créer un là, pour qu'ils nichent pour créer un là, pour dire de Bobse. Donc, on ne peut pas que ça gagne l'administration publique là, il suffit pour séparer eux. Par contre, je comprends. Et je pense que c'est là que nous allons faire face, souvler à un processus de chargé. Rien de ça. Parce que si Kony rentre dans des matchs, tout ça n'est pas de libayol, donc on est capable de saisir, ouais, et puis Kony vient là, et puis c'est le pouvoir, c'est un primature. Et puis ils sont premier ministre qui l'a pour quoi, qui s'en trouve. Vous comprenez? L'aile garde de elle, ouais, tout ministre qui est de elle, c'est l'autre conseil présidentiel là, il prend seulement. Et après l'autre nomme. C'est ça conseiller président, il dit, il fait, à travers, bon, disons, parti, à travers conseiller président. Même Jean, ça te révèle déjà. Sur Matéli. Oui. Et au. Rive au moment là, c'est Matéli qui suivre. Donc, fuck, monsieur, comme si. Ils comprennent pas, yo, dans la dimension ça. Mais il n'y a pas deux, trois mounes. Non, guerrier, moi, qui a salué choix. Garigoni là-bas. Bon, élégance oblige. Il y a des gens, par exemple, qui perdent. Par exemple, je crois Alex Didier Fizé, mais il n'a pas parlé là. Nous lions un texte qui paraît sur son. Pas un problème qui média. Quand il dit, il salue choix. C'est très élégant. C'est très élégant de sa part. Donc, il salue choix Garigoni là. Mais bon, c'est de mon nom, c'est de groupe qui a choisi. Pas choisi, non, qui a salué choix Garigoni là-bas. Pas positionné. Il y a des gens qui connaissent. C'est des nègres qui élégants. Mais il y a des gens qui sont là, ou bien des groupes qui font la gagne. Oui. C'est Diabdi, connais m'la, 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 m'la. Pourtant, avant le processus là, c'est des nègres qui doivent demander, sans penser de choix qu'on est, de qui est-ce qui Garigoni connaît là. C'est des nègres qui doivent demander, sans penser de Garigoni connaît, de qui est-ce qui est comme ça. Yo coquin. Je dis à moi, il y a des gars qui proposent, connu que Gary. Donc, moi, je voulais dire, donc, faut que Garigoni connaît, vienne à l'équipe tout. C'est vrai, et nous avons gagné des bananes, nous avons fait des exigences en parlant de parti pour notre conseiller et tout, mais il faut garder quand même
il prend des dispositions pour ne pas passer, même si elle était passée sous Matélia comme on chef sans allié. Vous comprenez? Sans allié, c'est très important. Je dis à la, avec la nomination, pourquoi dire nomination, avec le choix de Gary Kouni comme PM, le mandat CPA a tout fini là. Dans le sens que, et véritable pouvoir, c'est pour le chef du gouvernement qui gagne. Dans le sens que international là pour le préférer et traiter avec chef gouvernement en lieu et place de conseiller président. Il y a des gens même qui même prévoit une configuration à la 2004. Côté, c'est vrai, président Boniface était là, la tortue était là. On avait comme l'impression c'est la tortue qui était chef pays. Le président est juste là pour là. On n'a pas parlé ça avec un monde qui puis avisé passé. Il dit en réalité c'est mon bagage qui vient au hasard, c'est constitution, c'est loi pays même qui fait de loi pays, même qui fait de chef gouvernement, on est qui tout puissant, si vous voulez. Et c'est pas pour cette raison où pendant plusieurs fois dans série de situations, il a dit que le président est mineur. Pour avoir une présidence de Timounié, donc vrai chef là, ou bien véritable détenteur du pouvoir, c'est le premier ministre, c'est le chef de gouvernement. Bon, je suppose que c'est vrai. Vous comprenez? Par rapport avec Fosti Gagnon, c'est lui qui a géré ces débats, ben, le temps, mais toujours est-il, si notre ministre n'a pas pris l'autre dans le monde, on va paraître nul. On va paraître très nul. L'autre bagarre encore. Moi, je pense que je dois dire Gary Kouni Matéa, ça c'est moi-même personnellement. Gary Kouni est quitté Haïti depuis 2012, là, oui, Gary. Depuis 2012. Maron est dans l'intervalle s'il fait des visites privées. C'est-à-dire s'il rentre dans le pays, etc. Mais, je voulais dire Gary Kouni, en 2012 et 2024, ça fait 12 ans. Et bien, dans 12 ans, ça a un paquet de bagages qui a changé dans le pays d'Haïti. C'est la même Haïti. Qui était là en 2012 là qui l'a jodi a. OK? Ouais. En 2012, pas de tout gang ça yo. En 2012, pas de tout territoire ça yo qui perdu jodi a là. C'est-à-dire qui en bas contrôle gang armé. En 2012, pas de route nationale ça yo. On pas parler dire difficile d'accès non, mais qui vient presque impossible pour pratiquer yo. Et sous ta choisi pratique yo, c'est avec gros risque pour ta touyo ou bien pour ta kidnapper. En 2012, pas de tout le monde qui était dans grand goût. En 2012, pas de vivre ensemble. En 2012, pas de tout foyer gang dans la région métropolitaine. Là. En 2012, guerrier de seul, certain, pas de tout le monde qui a vivre dans l'oppresse. Ouais, il se passe dans une décennie environ. Par contre, vous comprenez? Donc ça veut dire qui ça? Puis gars monsieur Kouni parce qu'il a venu là et puis parce que c'est même Haïti il a quitté 2012 comme ancien premier ministre, c'est lui qui va venir là et il va l'aborder par le même genre. Li kakase dal. Parce que les bagages sont difficiles, en pile, sont complexes, sont fragiles. Et guerrier, vous capable de gagner toute compétence nécessaire sur la terre bénie, toute expérience sur la terre bénie. Vous capable de gagner toute capacité sur la terre bénie, vous pouvez venir là. Au cas où, toutes conditions réunies pour échouer, tout malgré ça. En tout cas, le conseil présidentiel là, Dieu seul sait combien de négants de conseil là qui très fort, mais compétent. Majorité. Ou quand il y a tout le doute, ou quand il y a un boisson, un petit bail, etc. Ou quand il y a un doute sur compétence de Dieu dans ces pays, mais ça ne va pas empêcher que. Pendant plusieurs fois, il y avait ces bâtiments de descendre dans la haut là. On n'a pas de doute sur la capacité académique, sur la compétence, sur l'expérience. Comprend Fritz, Alphonse Jean, on comprend intellectuel de Bello, on va vous dire. Le grand Khalim, d'Angelo Dea. Mettre dans ton tour. On comprend Smith Augustin, je dis que son jeune qui. On va Leslie Voltaire, architecte, urbaniste de son état, on va. Et qui est-ce comme dit là? Oui, mais tout conseil. Pasteur Frinel. Oui. Ouais. Il y a un doctorat. On va dire tout là. Donc, il y a d'autres qui ont fait des compétences. Mais il y a un gars qui vient là tout. Timoso,
tiré balle là dans pied. Si moi je m'entends yo craser comme ça encore. Bon pas grand dit le craser, bon comme premier ministre qu'on y a. Vous comprenez? Et puis ça qui arrive gars reconnu gain toute compétence ça ou bien bel profil ça, toute expérience ça dans tout pays ça sur la terre béni comme au fonctionnaire Nations Unies et puis il vient dans le craser donc. Bon vous comprenez? Faut que yo mette yo dans dimension ça qui gain jodi a comme attente. M'a fini pour me dire la population d'une façon générale ça pas intéressé au que premier ministre qui là les guerriers du seul les Johnny Ferdinand parce que c'est pas eux qui a décidé qui est-ce qui a PM vrai même j'ai moi-même m'pas de cas empêcher Garigoni PM même j'aime pas de cas faire le PM tout marrant de comprendre ça pas intéressé citoyen eux pour qu'on ait PM qui là c'est blanc balisé rouge qui balé ça pas intéressé citoyen pour qu'on ait que PM qui là si s'il c'est femme si c'est garçon bon grain bagage jodi a qui intéresse population hein, c'est qui le l'a capable circuler libre libre dans pays qui le l'a capable jambé sortir Port-au-Prince pour aller la Kaili dans ville de province sans problème dans pays qui le l'a capable continuer mener activité en bas la ville là via des transports en commun, etc., de Port-au-Prince à un autre département. C'est ça qui intéresse. Par contre, je comprends. Et parce que n'importe équipe gouvernementale qui vient là, je dis à la, si vous pas mettez dans la dimension, attendez ça, c'est comme la VMSI à terre. Vous avez toujours venu refaire une santé économique là, vous avez toujours venu gérer là, vous avez toujours venu jouer pouvoir. Parlant de jouer pouvoir, belle guerrier. Moi, j'ai une bonne expérience fait hier. Je suis sorti de Pétionville. Je suis dans un restaurant à Pétionville et puis l'aime arrivé sur rue panaméricaine m'a descendre semblait conseiller m'a descendre t'a sorti dans village d'accueil là il a monté eux même m'a descendre mettez comme sous côté moi n'importe trois cortèges regardez moi même qui pas dans pouvoir moi même qui pas dans machine pas grand moi avantage là dans petite machine moi jour là regardez me senti pouvoir belle je machine passer et c'est une raison fort il est pas trois conseillers ou bien quatre marron qui est sur eux marron machine yo marron plaque marron couleur mais il est pas trois quatre conseillers. C'est 3-4 cortèges, attention. Minimum 3 machines. Identique? Non, pas forcément. Gen Prado, qui gagne. C'est un gonne pick-up. Au moins, ça commune dans la machine, dans le cortège. Au moins, chaque cortège a 2 pick-up. 2 pick-up. C'est-à-dire, on machine devant, et puis VIP en amita, et puis on machine derrière comme backup. Ok? Alors, il y a passé. Machine yon 9, machine yon lumé. Et j'y refais mais machine tout noir et je suis dans la machine et puis me dis tiens on y a moins pour qu'ils aillent me détruire l'autre la matière ma bobble exagère nous voulons couvrir Vigo a dit pourquoi elle est belle il vit les jours pourquoi elle est belle monsieur vous voyez donc nous autres nous pas gagner l'autre bar une gaffe n'a pas suivre chaque étape qui franchit dans le cas de processus là, n'a pas suivi l'évolution. Sauf qu'il y a de grands chantiers qui attendent de cette nouvelle équipe gouvernementale. En attendant, il y a des structures qui attendent que CPA avec le Premier ministre a prononcé le souillon. L'organe de contrôle de l'action gouvernementale qui était prévu dans le document, il faut gagner. Avec tout accord signé, dont accord Ariel Henry, il y a entré là-dedans, il y a oublié si il y a eu un bâillon, il y a eu un prévu. CEP en attendant. Qui s'appelle le fait pour mettre le sous-pied. Et puis le Conseil national de sécurité, Naptan. Et puis après ça, pour commencer à attaquer les vrais problèmes, qui c'est sécurité, constitution, redressement économique et institutionnel, et puis élection. Oui, bonjour tout le monde. Sinon, succès à toute l'équipe. Voilà. Et rebonjour, Johnny, rebonjour tout le monde. Nous avons appris à plutôt. Il y a un reportage avec Bigo matin là sur qui est ce Gary Conillé malgré détails en tout cas sur qui est citoyen ça y est qui probablement avant semaine là, fini là hein, ou bien dans mi-temps semaine là pral nouveau premier ministre paysan puisque arrêté nomination t'a dû être publié jeudi
hein, le gouvernement a pas gagné pour former et d'ici vendredi donc cabinet ministériel dans ta doué et été campé et au plus tard lundi c'est à doué cérémonie installation Gary Conny comme premier ministre selon information non gagné. Mais toujours capable de gagner retard, je ne dis là, puisque c'est toujours quelqu'un de tractation qui va le faire. Là, malgré Johnny et Fred Bonnet, tout le monde connaît qui ça a besoin. Oui, je dis ça, ça va c'est un deux exercice facile. Oui. Parce qu'en deux conseils, il y a des gens qui ont entendu. Et même le Yoshita parlé avec les qui ont pressenti, il est clair. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que même. Pas gagné de dans monde qui était premier ministre Kabyo qui accepté coubé pour capable ça information gagné gagné au ministre ouais il y a monde qui était dans course là comme candidat au poste de premier ministre qui capable ministre à moins que eux-mêmes ils t'a décidé décliner même qu'on est gagné ils t'a dû contacter ça qui arrivé que c'est de proposer au monde tout m'a pas fait fuite en avant m'a pas dit qui yes mais gagné dans eux ils contacter ou bien pour pas contacter nous ils attendent contacter. Parce que on dit parmi eux, il y a 4, c'était 3 qui étaient anciens ministres. Oui. Paul-Antoine Bien-Aimé, Fritz Bélizer et qui l'autre citoyen Oudolf Choisir. Oudolf Choisir, voilà, qui était sénateur, qui était ministre de défense. Ministre de défense. Voilà. Ok, on allait avec réaction Mopod, André Raphaël, sur choix ou bien destination. Gary Conny comme premier ministre. André Raphaël, bonjour. Bonjour Gary Dissel, bonjour Johnny, bonjour Abdiane, bonjour population haïtienne qui est en Haïti, qui est en Haïti. On est dans le département sud-est, si tout le monde l'a monté, Jacques-Mel. Nous allons nous, son plaisir, Gary. Qui sa réaction nous pas dire après décision ça finalement? Bon, mon pod, alors mon même position est clair. Nous croyons que CPA, conseil présidentiel là, pas de pouvoir tout autant que d'ailleurs ce gouvernement qui l'a avec Braver là et qui a tout pouvoir. C'est-à-dire que c'est des bagailles différentes, c'est des familles différentes. Et je dis là, parce que pays a. Il a besoin d'un nouveau premier ministre pour être capable de mettre un gouvernement qui est capable de mettre en application feuille de route qui définit hein, parce que le pays a une situation inacceptable. Nous-mêmes, nous pensons que dans le niveau de mon pote, quel que soit côté secteur que le premier ministre, nous n'avons pas de problème parce que c'est une nécessité qui est libre pour gagner un nouveau premier ministre qui a adressé ensemble de problèmes que le pays a fait face je ne veux dire. Et bon feuille de route qui est clair, qui dit mais qui ça qui pourrait venir savoir bien pour le faire. Est-ce que vous là nous-mêmes nous croyons qu'on nécessité pour bien on lutte on bat contre corruption parce que c'est une bagaille qui détruit le pays à guerre d'échelle et je dis à pays à l'écraser, pays à démolir, je dis à faut arriver à construire le pays ça, mais c'est un combat contre contrebande, contre corruption, contre fraude fiscale, qui permet que nous réorienter l'État, nous faisons choix en l'État qui a pris de la production, parce que c'est parce que nous sommes pays qui choisit consommer, nous pas choisi produire en un pays là, qui pour créer richesse et emploi, pas petit nous manger, et je dis à nos besoins, c'est-à-dire son nécessité pour nous redémarrer le pays là, dans l'essence de l'intérêt collectif. Tu peux pas ici. Et donc, nous-mêmes, dans le niveau collectif, là, en tout cas, Gary Conny, c'est choix, non? Puisque parmi les 6 conseillers qui votaient, alors pas voter, c'est choix. Donc, c'est sans réserve. Non, aller vers choix ça. Et moi, c'est votre mal guerrier. Vous pouvez répondre pour moi, s'il vous plaît. Moi, je dis c'est sans réserve. Nous allons vers choix, ça, qui c'est Gary Conny, dans le niveau collectif. Là. Non. Moi, je dis que le pays n'a pas de t'attendre. Vous attendez souffrance population. Et je dis là, CPA, depuis qu'il est installé, CPA n'a pas de pouvoir. Parce que CPA n'a pas de pouvoir, parce que le monde qui a de pouvoir, c'est le gouvernement qui est dirigé par Boisvert. Et l'éclair, et je dis à CPA, tu as besoin
un nouveau premier ministre, quel que soit le côté des choses dans le secteur, qui vous permettent de limiter en application frais de route. Donc là, nous comptons tout ça dans frais de route. Et question de sécurité, question de conférence nationale, question de référendum, question KIP, pour ensemble des défis captants. On va dire, et gouvernement ça, nouveau gouvernement pour l'installer, et ça fait nous croire qu'on nécessite pour gagner de monde qui pourrait faire partie du gouvernement, c'est de monde tout le monde. C'est de monde qui a une capacité, qui joue une crise des populations, c'est de monde qui a l'écoute des besoins des haïtiens. C'est pas de monde qui pourrait arriver là dans l'État, qui pourrait comprendre que je dis, l'État, c'est continuer, on va dire, d'échapper l'État, c'est continuer de gaspiller l'argent de l'État, mais c'est prendre ça dans l'État, je dis, pour nous mettre au service des paysans, qui nous mettre au service personnel, nous, qui créer toute inégalité sociale qui n'a plus besoin aujourd'hui. Je dis, nous avons un paquet de jeunes femmes, de jeunes garçons, de jeunes filles qui ont des âmes dans le mais c'est le métier pour nous. C'est l'école pour nous aller. C'est parce que l'État n'est pas marié avec le peuple, l'État n'est pas marié à mon quartier populaire. Je dis, nous avons une nécessité guerrière pour nous faire l'État, pour nous marier l'État avec la population haïtienne. Et Gonzami qui dit là, il est important pour que chaque entité, chaque secteur qui a voyé mon dans le gouvernement pour assumer. Ou d'accord avec une position comme ça? Bon, Pablo, je dis à nous clair que je dis nous sommes pays qui crasent, nous sommes pays qui démolit. Je dis à on croit que ce n'est pas une question de voyer mon pour voyer mon. Ce n'est pas en séparation de gâteaux. Je dis à nous besoin de monde qui est capable de redémarrer l'État. Nous besoin de monde responsable, qui a une dimension homme et de femme d'État, qui croit, je dis à son coup de main, et à venir nous dire parce que ce n'est pas comme si de monde qui a venu enrichir, on ne peut pas continuer à patauger dans la corruption. Non, nous pas besoin de monde ça. Exactement, nous avons une nécessité qui doit être là, c'est combattre contre la corruption. Je dis à, il faut faire des choix, parce que nous avons un pays qui perd un paquet d'emplois, il faut faire des choix rapides. Pour nous créer emploi. Parce qu'ils ont nécessité de créer emploi dans le pays. Ils ont nécessité pour qu'on paquette monde, des paquets cadres, des ressources humaines qualifiées pour quitter le pays. Pour nous créer des conditions qui vous permettent de arrêter la caillou. Ça veut dire, nous n'avons pas besoin de monde qui a venu pendant la transition. C'est pour ceux qui ont venu plein pendant cette population à continuer dans la misère, dans la souffrance, dans la calamité. Ça veut dire, nous-mêmes, nous ne pouvons pas travailler des gâteaux. Nous pouvons être des monde qui est responsable, qui a venu faire service à peuple pour retirer nos années là. Dans même partage de responsabilité là, ça, côté collectif là, qui côté nous viser? Non, c'est pas question de qui côté nous viser, Gisèle. Est-ce que vous comprenez? C'est pas question de qui côté nous viser. C'est dans l'équipe là, faut gagner. Est-ce qu'il y a un printemps dans le gouvernement? Oui. Je suppose. Et ça, M. Dio, c'est pas question de qui côté nous viser ou pas. Est-ce que vous comprenez effectivement? Côté nous passer un gaba au résultat, nous gaba au coup de main. Pendant la période intérimaire. Tu peux nous penser que tu as un résultat de la mort. Johnny, moi, je ne suis pas capable de répondre à une question. C'est-à-dire que si un gouvernement qui pourra le monter, il y a des règles, des principes, et il y en a qui guident, je dis, il faut un qui pourra aller, c'est le monde. Qui a une capacité, c'est des gens qui prennent le coup de main. C'est des gens qui comprennent qu'on nécessite aujourd'hui à la. Hein? Qu'on nécessite pour nous, on va dire, aider la population à sortir dans la calamité de la preuve là. Ok, c'est pas des gens qui ont venu là pendant 2 ans, qui ont enrichi. C'est des gens qui gagnent au patriotisme. On voit qui remet le pays ça. Ah ben je dis, ah, si au niveau collectif là, nous comprenons que les gens qui ont répondu à qui de ça, ils sont capables de faire des pour qu'ils ne soient pas écoutés. Oui, exactement. Est-ce que vous identifiez les gens qui ont déjà? Est-ce que vous identifiez dans quel secteur qui ont écouté au niveau collectif là? Non, nous sommes plusieurs structures. Est-ce que vous comprenez? Ça prend le dépend des critères, de ça que vous mettez en mécanisme, vous mettez en place pour faire choix en fonction du cadre que vous avez besoin. Eh bien, si c'est ressources. Si les ressources là, c'est au niveau collectif là, et quel que soit dans d'autres secteurs, mais qui ont choisi de mettre à la disposition le gouvernement qui pourrait aider ce type pays. Ok? Eh bien, merci un peu, André Raphaël. C'est moi pour monsieur Gaïdiesel, Johnny, qui bon Dieu bénit nous, qui bon Dieu bénit les Haïtiens. Mon Dieu, merci, moi, maintenant, Bill.
D'accord, j'en ai là. Réaction yo pas suspendre après et choix. Monsieur Garry Conille comme nouveau premier ministre transition ou bien qui t'a doué vin et premier ministre transition, c'est le cas du parti politique AC, Alliance pour une société sans exclusion, qui lui-même est rendu public en note depuis hier soir. Directoire national parti politique Alliance pour une société sans exclusion AC s'allier et puis féliciter choix Dr. Garry Conille comme nouveau premier ministre PIA. Directoire national ACA encourage membre conseil présidentiel transition yo capité ak nouveau premier ministre là monter yon gouvernement consensus pressé kap travay an dan plan ki défini sécurité apaisement social relance économique ak élection générale konsa tou ACA ap veye si toute action ki pral menen yo ap panan l'idée pour remettre pays sou ray démocratique. ACA félicité tout lot compatriotes ki te vle servi pays comme premier ministre, volonté qui manifeste ou montré pays a toujours compté sous petite lio pour sa ville. Boutefin a souhaité succès à nouveau premier ministre pays dans conjonctif malouk sa et tout rappeler la population pas qu'attend encore des gros nécessité pour agir vite et puis organiser bon gens élection sans force côté dans tout pays a sans perdre temps. Toujours songer nous pas gagner pays de Richaille. Port-au-Prince 28 mai 2024. Moun ki signe note de presse, c'est Scholzer Chassi, président. Rosny Cadet, vice-président. Gagné SOS journaliste également qui réagit guerrier et Dieu seul. N'a parlé là de organisation ça qui travaille dans défendre droit journaliste dans pays d'Haïti. SOS journaliste dit saluer choix Garry Conille comme premier ministre et bien attirer attention et nouveau PM nan sou droit journaliste qui encore menacé dans pays d'Haïti. Journaliste SOS journaliste salué désignation Garry Conille comme premier ministre. Il dit le compter sous lui ainsi que sous prochain gouvernement là pour capable faire respecter scrupuleusement liberté la presse ak d'expression pour capable garantir intégrité physique journaliste dans pays d'Haïti. Gouvernement déchu a clairement montré un mépris révoltant dans sa concerné question qui gen pour ak liberté la presse ak intégrité physique journaliste et pour témoigner et tout ça c'est attitude gouvernement et une attitude complaisante et compromettante vis-à-vis commissaire gouvernement au cas Ronald Richemont qui lui-même a une accusation sous doli comme monde qui impliqué Jouk Nazo dans l'assassinat crapuleux journaliste Gary Tess alors que ministre justice sortant lui-même Emeline Prophète Milse était de manière éhontée décidé pour le cautionner agissement arbitraire voire délictueux et bien commissaire gouvernement au cas là pendant aucun bel en poste malgré tout exaction yo reproché lio SOS journaliste souhaité à toute force le gouvernement premier ministre Garry Conille pour le diriger pour accorder une attention particulière au strict respect droit journaliste yo ak media yo dans pays d'Haïti pendant la garder distance professionnelle et éthique nécessaire. SOS journaliste mandé tout membre corporation pour capable faire un rapport constructif à ça relé émergence un véritable état de droit démocratique côté bonne gouvernance accrédition des comptes vignon pratique systématique et régulière. La presse d'après SOS journaliste qui représente également un secteur important dans la vie nationale là est bien appelé pour jouer un rôle crucial dans changement mentalité indispensable dans ça concerné concrétisation rêve qui piche population haïtienne dans les mêmes la chérie. Avant passer à autre chose guerrier ou même t'a lui besoin d'attirer attention sous des blousailles qui pral gagner dans mi-temps secteur pour choisir mon qui pour aller dans ministère ou bien dans direction générale yo ou bien golobe il commence à péter est-ce que vous me bozin golobe il commence à péter là non mon ami beaucoup a cité ami pour l'instant son ami qui très avisé donc me fait ça le diminue confiance gon note de presse là qui pour des signatures structure qui les force révolutionnaire nord Foure Nord. Eh bien, qui ça vous fait eux même, yo dit yo féliciter choix docteur Garry Conille là pour poste premier ministre pays et puis yo voye fleur surtout à m'a ajouter ça surtout pour volonté constante ça et conseiller président vous fait montre pour chercher un consensus nan mitan yo. Garry Conille doit entre autres agir sous feuille de route accord 3 avril 2024 là proposé à qui prévoit
relance économique pays a organisation élection yo ak rétablissement yo situation sécuritaire qui stable dans pays d'Haïti. Yon l'autre bord Foreno a dénoncé ça relé des manœuvres manipulatoires de monde qui est Jean-Aubert Lalanne qui est responsable cabinet conseiller président Louis Gérald Gilles qui a tenté par tous les moyens pour imposer concubine li docteur Roudlin Fidel pour occuper un portefeuille ministériel. Il a félicité le conseiller président qui joue un consensus là. Et puis, il a demandé pour lui rester dans la feuille de route à 3 avril la balle. Et puis, il a dit parallèlement, il a dénoncé une série de manœuvres, il a jugé manipulatoire. Il a accusé, bon, c'est d'après Foreno, Jean-Aubert Lalanne, qui est responsable cabinet conseiller président Louis Gérald Gilles, qui a tenté de mettre un fil à vivre dans le même caravel qui est le docteur Woodlin Fidel pour t'occuper un portefeuille ministériel. Foreno dit le constater malheureusement. Conseiller président Louis Gérald Gilles semblait vouloir céder aux pressions de M. Lalanne pour capable faciliter l'accession de sa concubine comme ministre et permettre pour capable ministre. Comme ministre ministre. Santé publique. Ah bon, regardez ça déjà. Comme ministre, vous dites la communauté. Il va bailler. Il dit portefeuille ministériel. Comme M. Gilles, c'est lui-même qui. Ok, le secteur santé, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit la garde s'il gaba en coûte Mélanane. Mélanane. OK. Eh ben yo dit docteur Fidel pas aucune expérience comme médecin et il est pas capable en aucun cas occuper fonction ministre. Comment ça pas aucune expérience comme médecin, hein? Pas docteur lié? Non. Et pas ça dit. Et pas ça, c'est pas ça dit. Non, le docteur Fidel, le docteur mais il est son jeune médecin lié, il peut même travailler dans l'hôpital même. Bon j'en ai fait promotion pour jeune yo. Je ne sais pas. Louis Majuste, président. Pas de problème. Gary Kouni réagit tout. D'après ça, il y a un homme qui l'a fait me connaître. Gary Kouni réagit à travers un tweet. Depuis son monde qui a l'équipe l'a partagé là, c'est certain lieu authentique. Moi, je sens mon honoré en pile. De ce que le conseil présidentiel l'a choisi, moi, comme nouveau premier ministre Haïti. Je profite de merci en pile à toute organisation de la société civile, la parti politique. Yo. Ak mam diaspora qui proposait non moins parmi l'autre candidat dans le processus là. Ensemble, nous pourrons travailler pour un demain meilleur pour toute petite nation noire. Haïti, leadership, unité. Bon, je souhaite sur toute la authentique parce que c'est un amoun qui proche équipe là qui partage et tout là, poste là avec moi. Donc, comme moi, je vais vérifier, moi pense li authentique. N'a venu avec de l'autre réaction. Non, on pas capable d'appeler toutes les notes qui viennent de nous là. Mais il y a une Ligue haïtienne de défense des droits humains qui dit le féliciter. Décision CPT à prendre pour nommer Dr. Gary Kouni comme premier ministre paysan. Nous souhaitons bonne chance. Nous souhaitons bonne chance avec nouveau premier ministre là, qui, à travers professionnalisme et avec l'esprit, ouverture li a pas capable mener bac difficile pays ya LHDDH félicité pour au choix ça donc que paysan cap connaît en situation difficile tapton à c'est James Meralus directeur exécutif qui signe note ça mon l'autre ami qui partageait on l'autre information avec moi là que beaucoup capable joindre mais en tout temps oh Journal no baisser volume et radio la bonne forme baïtien une possibilité avec Jean Arenaldo de CRI national qui lui-même a assisté pour capable font parler sur question choix Gary Kouni ou bien désignation Gary Kouni comme premier ministre
descend volume radio qui bakoto là parce que il y a bail feedback. Bonjour Jean Renaldo. Bonjour guerrier, bonjour Johnny, bonjour Adani et nap salye Marie-Lou Dozambert. Et il y en a un qui a boumé ensemble avec depuis bien longtemps. Et moi-même, je suis d'accord. Et nous disons d'accord. Hein? Nous positionnons, nous pas jamais souhaité pour ces blancs qui sont proposés nous. Mais choix ça, les meilleurs par rapport avec l'autre choix. Et dans pile intervention que je fais dans la presse, moi j'ai dit population. Hein? Faut que nous surveillons, faut que nous fassions pression sur le conseil présidentiel là, et nous avons parlé du conseil présidentiel là tout. Nous disons qu'il y a des acteurs qui là, qui étaient proposés de tête, nous savons que nous avons pile méchanceté. C'est un bon petit exemple. Nous connaissons l'administration de l'État, c'est Préval qui vend tout. Lorsque l'administration de l'État vend, Paul Antoine Bien-Aimé était une de Major Jean, Gérald Germain était une de Major Jean. Et nous t'ai toujours dit ça, des mondes qui t'ai fait partie, l'État malfaisant ça, hein, ça nous pas jamais souhaité pour ces eux-mêmes qui viennent diriger nous. De même tout, lorsque nous prenons ensemble des députés, sénateurs qui étaient bicentenaires, nous connaissons ça a contribué pour que nous mettions Haïti dans l'Italie aujourd'hui. Nous croyons que M. Gary Kone, il est vrai. Si le problème tout petit nous vient avec lui, c'est parce que c'est joué blanc. Mais nous sommes certains, les passables parmi toute l'autre qui était là. Maintenant, nous avons des journées, côté Guillaume dans le c'est gros l'agent qui t'a baillé, et jouer ça, c'est un monde qui est moins qualifié. Et lorsque nous considérons le comportement haïtien pareil, nous, et particulièrement, conseil présidentiel là nous-mêmes nous toujours critiqué nous disons plus que moi les députés là pas de aucun signe aucun geste qui fait la travail au profit des populations et habitude qui vient au sein de eux-mêmes même avec l'autre qui passe eux c'est habitude vente poste etc. Donc je dis à mon coin population haïtienne là la tant nos bagailles dans mes conseil présidentiel là et la tenu bagay dans mes premiers ministres là. Je dis à tout le monde qui a des difficultés pour que vous circulez dans le pays. Nous pas qu'à aller dans le Grand Sud, nous pas qu'à aller dans le Grand Nord, plateau central, etc. Donc je dis à nous croyons que toute population attend pour M. Dam Sayo comment vous capable de résoudre le problème de sécurité. Et tout récemment, nous avons parlé avec la presse, nous disons nous trouvons qu'il y a un manque de volonté et au sein du conseil présidentiel là. Et si tu as une volonté, nous croyons, même quand tu es installé, le directeur général de la police a été supposé retirer là. Nous étions supposés nommer, un directeur général de la police qui n'a pas une compagnie de sécurité. Donc, nous croyons aujourd'hui, changement ça, c'est des changements pour qu'il la soit attendu. D'accord. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'il y ait un exemple qui tracé. Gouvernement Ariel là. Nous connaissons un gouvernement, lui-même qui gomme à tout dans même qui clouerait tête pays. Moi, je pense que dans l'immédiat, l'installation du Premier ministre, il faut que nous tentions une liste des anciens ministres corrompus criminels, particulièrement dame qui dit c'est ministre de justice qu'elle dit. Nous ne savons pas qu'il y a une interdiction de pas pour eux. Il faut que nous savons rester dans le pays pour que nous répondions à l'action malhonnête qu'ils commettent. Pays n'est pas capable encore. Si le problème de corruption et qu'il ne soit pas frappé avec force, pas gagné rien qui a fait. Donc, il y a une raison tout qui nous dit, car il connaît, dans y a un monde qui est moins de problème, et comme son monde qui est supposé neutre, si il y a un conseil électoral qui a fait, il y a une élection qui a fait. Neuf membres, chaque sorte de nos partis politiques. Donc, je pense que c'est un monde qui a une capacité, côté qui n'a pas un parti pris, côté pour l'élection qui fait de façon bien, pour tout le monde, pour le monde qui a une chance, le monde qui qualifie à lui-même qui a une chance. L'autre fois encore, je félicite
Radio Caraïbes pour bon travail à faire au sein des populations. Hein. Je pense que nous tous apprêtons pour que nous suivions la population. Je connais Johnny, c'est un monde en pile de félicité. Et qui a toujours dit population qui s'est passé. On le fait encore, peuple haïtien. D'après TVATIF, nous n'avons pas aucun cadeau nous allons faire les politiciens. Nous n'avons pas passé 30 mois nous sommes passés avec Ariel. Je pense qu'il faut que nous organisions, nous, faut que nous préparions, nous, faut que nous assistions à ce qu'on fait là. Et nous-mêmes, pour que nous disions, nous souffrons trop. D'accord. On le fait encore. Merci. Pour finir, directeur général pour liste nationale, là, il n'est pas supposé rester là dans ce monde encore, comme il y a un monde qui contribue à mettre Haïti dans l'Italie, je dis. Merci un peu, Radio Caraïbes. Merci un peu, CRI national, Léonard Jean-Reynald No. N'importe dans le dossier éducation au guerrier gagné environ 20 000 timouns qui sont route pour perdre année scolaire dans Gressier et dans l'autre zone qui est sous côté lio à cause des examens qui envahit commune ça depuis plusieurs mois. Pour éviter ça, plusieurs organisations dans la société civile et partenaires qui travaillent dans le domaine éducation mettent campé un programme qui porte nom éducation dans temps crise ECC. Une initiative qui vise à faire court rattrapage pour Timounio. Le programme SILA concerne les élèves qui sont en classe première année pour arriver 9e année fondamentale. Première phase du projet ça a démarré avec 200 Timoun à Yema du 27 mai 2024. La deuxième phase là, prévoit faire journée mercredi à, d'après Ulysse Jean Chenet qui est une initiative d'activité. Ça a écouté le micro régional. Presque la totalité des écoles de lycée n'ont pas fonctionné. Ça fait que nous gagnons près de 20 000 timons qui abandonnaient, qui déchirent pour le perdu à l'école-là. Et timons, ça aurait eu à réfugier les organes sur des places publiques, dans des zones reculées et dans d'autres zones avoisinantes de la commune de lycée. Et bien, c'est dans ce sens-là, nous autres de la société civile, d'autres partenaires, nous envisageons de lancer un projet pour permettre en quantité de Timoun Sayo sauver l'année académique 2023. Éducation en temps de crise, hein, quelle que soit cette catastrophe naturelle, quel que soit ce problème politique, depuis Timoun a déplacé une situation difficile, meilleur bagage qui est capable de Timoun Sayo, c'est permettre qu'il toujours aille à l'école. Combien de Timoun nous comptez assister dans quatre programmes ça? Suivant capacité que nous gagnons, tout en temps nous sommes capables de permettre. Que ce soit ça qui est dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, que ce soit Timon Grissier qui est dans la région de la Tibonite, depuis nous capables de permettre de faire, parce qu'actuellement, nous avons parlé avec le ministère de l'Éducation nationale et d'autres organisations qui travaillent en matière de coopération en éducation en Haïti pour la zone de Grissier. Nous avons commencé avec un millier d'enfants, maintenant là, nous voyons 200 Timon à l'école, demain nous prenons 200, nous faisons pas train de 200 pour nous être capable et voyez en quantité suffisante de timoun aller à l'école d'une manière à ce que pour nous être capable de permettre un grand nombre d'enfants sauvés année académique 2023-2024. Timoun sa yo nan ki tranche d'âge et qui niveau scolaire yo? Timoun sa yo nan yon à partir de 6 ans, c'est-à-dire première année fondamentale jusqu'à 9e année fondamentale. Est-ce que dans le niveau programme ça nous met accent sur tout timoun qui prend l'examen officiel yo? Que nous avons gagné avec l'autorité éducative qui est dans la région, et au côté sérieux même qui fait l'approche là, qui s'en a fait pour tout le monde qui est dans la 9e année fondamentale. Nous disons, bon, étant donné nous-mêmes nous pas l'État, parce que lors d'examen officiel, ça c'est l'affaire de l'État, comme étant donné ou même ou c'est autorité, ou vient avec question, qui nous retourne en question, nous disons, qui on va y avoir ça. Nous disons, oui, ils sont capables d'organiser des examens spéciaux pour eux, c'est en sorte que tout le monde officiel là, mais nous disons ok, ça c'est de bon droit et que nous entrons dans la logique là, ok, même si monde qui est dans la 9e année fondamentale, nous prêts pour nous permettre de participer à l'examen officiel pour ne pas perdre l'année. Vous mettez accent sur 9e année fondamentale, mais moi on pas parler de NS4 baccalauréat traditionnel. Au cours des matières, nous jouons à pile de maths, mais pas oublier qu'un bac permanent et nous pas de rentrer dans la logique ça pour nous pas avoir capacité pour nous qu'aimer. Est-ce que nous avons assez de capacité financière pour nous assister? Nous avons des partenaires qui sont dans la coopération internationale et qui
effectivement qu'il y a des agences onusiennes qui commencent à contacter nous. Nous avons des organisations partenaires qui habituent à travailler avec nous dans des activités humanitaires depuis après simplement tel. Par rapport à l'insécurité qui est dans la zone, est-ce que dans l'espace nous gagnons pour nous assister Timoun Zayo, est-ce que yo en parfaite sécurité? Absolument, parce que actuellement la CELI organe que nous faisons formation, nous avons l'école qui n'a pas partenariat avec nous, c'est l'Institut Romera Alciné. Au côté de Mathieu, c'est eux-mêmes qui recevront 200 Timoun. Demain, nous avons un groupe d'école qui va recevoir 200. L'école, ça la majeure partie, nous commencer avec eux dans la zone Léogan. C'est Timoun qui est dans la zone région métropolitaine pour l'oppression, c'est à quoi des bouquins. Et non, l'école là-bas, dans tête, moi là. Et eux-mêmes, tout d'ici lundi, ils vont commencer le travail. Mais nous espérons que, en matière de sécurité, et qu'il y a un jeune moyen pour fonctionner. C'est des Timoun qui quittent l'institution scolaire yo, par rapport à l'insécurité. Comment évaluation ça a fait puisque Timoun Zayo a été inscrit dans des espaces qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale où nous faisons un bagage spécial par rapport à l'insécurité? Comment évaluation ça a fait? C'est ça que fait là, nous finissons de préparer le projet. La première entité que nous contactons, c'est le bureau inspection scolaire qui est dans la zone. Au contraire, il y a même approche technique, c'est eux-mêmes qui élaborent pour nous, pour permettre que Timoun Zayo rentre dans un cadre qui est bien approprié pour être capable d'avancer. Pour parler de première phase là, qui c'est 1000 Timoun, au total, quelle quantité nous comptons recevoir? La première phase là, pour région des Panas, surtout pour Timoun qui sont ici, nous comptons pour 1000. Actuellement, là, notre travail pour région métropolitaine de Port-au-Prince, qui est un pile Timoun, que ce soit dans Kafoufé, dans Kouadé-Bouké, dans la plaine, et que nous gardons pour nous un centre d'accueil qui est capacité. Est-ce que zone ou cité ça yo nous déjà identifié des espaces et joindre des professeurs qui ont capacité pour assister Timoun Zayo? Oui, établissement scolaire partenaire yo nous tout utiliser ressources que nous tout gagné yo professeurs qui étaient déjà à travail dans le système qui compte système là. Sauf que nous avons une formation spéciale pour nous Mbayo parce que les Timoun là c'est déplacé soit par catastrophe naturelle, soit par problème d'insécurité, soit par l'autre problème qu'il gagné en forme de pédagogie qui est appropriée avec problème qu'il confronte. Première occasion, c'est premier journal PIA. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti agresse le monde l'an réveillé pour matin. Première occasion, c'est premier journal PIA. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti agresse le monde l'an réveillé pour matin. Caraïbe FM, journal créole, première occasion, après poursuivre dans 11 minutes, la fait 8 dans studio, nous depuis Port-au-Prince, Haïti, ISO construit yon WAF avant arriver Kenya yo, c'est titre, yon article Caraïbe Post publié, ça gagne quelques jours, et qui gagne comme sous-titre gang exam yo en Haïti, a préparé yo, avant arriver mission étrangère, là, qui a gagné dans tête li pays Kenya. Widlor Merencourt, yon journaliste qui participait nan chercher collecter information pour réécrire article ça sur différentes plateformes côté Haïbo Post disponible, ben la avec nous tout à l'heure, il est déjà ensemble avec nous dans cadre d'un partenariat RTVC Haïbo Post, toujours dans souci pour informer nation. Donc à partir de jeudi mercredi n'a pas recevoir dans même le ça yon journaliste rédaction Haïbo Post sur yon travail enquête yo réalisé. Et n'a démarré avec Widlor Merencourt, n'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour Yaye, bonjour tout le monde, je suis content avec nous aujourd'hui. Widlor, construction yon WAF dans village des dieux, yon manifestation dans Fontamara, appel bandio pour demander population retourner dans zone yo, cérémonie vaudou, ensemble démarche ça yo, selon vous traduit qui ça exactement? Ok, dernier d'avant enquête à Ibou Post, effectivement, j'en souhaite avec ce qu'il y a le côté sous comment gang yo, yo a préparé yo, ouais, pour venir force internationale. Évidemment, au cherche ou bah, nous gagnons environ 200 gangs, c'est pas tout qui gagne pouvoir, c'est pas tout qui gagne en pile monde là-dedans, ou gagne de coalition qui formait et
quatre gangs ça yo généralement en plus là-dedans ont gagné deux objectifs différents et deux modes opératoires différents. Le temps des forces là a venu par exemple nous sélectionner ça plus important yo dans zone et dans zone Delma par exemple et dans de l'autre zone où gagné deux chefs de gang tant pour Jimmy Cherizier tant pour voilà l'amour saint jour dans quoi des bouquets qui m'a dit mon pour retourner. Elle nous questionner sur qui modalité retourner ça, gagner côté population, elle est obligée, évidemment, mais les permissions pour le tourner. Le tourner n'est pas capable de quitter la zone pour compléter, fort souvent, parce que nous sommes obligés pour passer par des procédures spécifiques pour quitter la zone. Et nous parler avec de monde qui a suivi l'évolution qui sont gagnés, qui estimait que la stratégie, ça, c'est pour capable d'utiliser la population comme bouclier humain au cas où tu as gagné de l'attaque contre gagné. Gagner de l'autre préparation qui est bien substantielle et plus infrastructure, tout. Par exemple, nous jouons de l'image exclusive. C'est seulement à Ibo Post qui dit l'image ça y est sous zone et village de Dieu, j'en avais essayé d'expliquer tout à l'heure, ou capable construction WAF qui a monté. Nous essayons de faire des experts, regarder l'image pour comprendre mieux ce que ça veut dire. Il est clair que gang a renforcé infrastructure, les clair que son gang extrêmement important qui vient piller non seulement mon en Haïti mais mon international sur lui, parce que c'est une erreur gang nous gagne qui directement gagne connexion transnationale ouais avec de trafiquants dans la région. Donc WAF ça il a conçu 23 mai un kawé image que avec vous pour faire obtention de you au kawé vous voyez inspecteur you à vérifier les constructions au kawé qui a fait construction et au kawé tout qui a monté. Il n'est pas clair est-ce que jusqu'à qui côté la montée, il n'est pas clair non plus qui objectif il gagne avec mur ça dans les mêmes, est-ce que son mur qui va monter de telle sorte que si vous êtes attaqué, vous parlez en mer, il est capable d'abriter d'elle pour vous défendre. Mais c'est ça qui est clair, c'est que gang il pas chômé, il a continué monter voilà, renforcer infrastructure, renforcer capacité pour être capable et voilà, parier à toute éventualité. Et puis pour me finir, il y a gagné de préparation qui pas matériel, qui est plus de domestique, si on dit ça comme ça, parce que nous connaissons qui sont gagnés en Haïti, les mélangés avec croyance mounionien, Jeff Canaan, nous parlait avec plusieurs monde qui en dedans, qui témoignaient de l'existence d'une espèce de pratique côté gagné dans mon négotrié, l'ouvrir ventre, et puis enterré de balles. Pendant plusieurs jours, il y a gagné de spécificité même sur quantité de jours, balance supposée fait en 20 monde qui mourit. Hein. Et après, il y a récupéré balsa parce que il y a vraiment quoi. Balsa, si vous utilisez lui pour y tirer derrière le monde, derrière Kenya également, et ils sont balles qui empoisonnés, donc la tuer facilement. Et en tout cas, parmi les stratégies, c'est question de demander aux citoyens qui ont été courus derrière au moment pour retourner, probablement pour aller servir bouclier. Est-ce que ça arrivait par exemple nous parler avec des gens qui, comme on dit, comprennent la démarche ça? Bon, évidemment, nos situations côté, on comporte une population désespérée. On a parlé de centaines de milliers de monde qui sont obligés de courir, quitter la zone de la caillou à cause de violences gang, qui perdu vraiment toute sa vie. Il y a quelques monde qui effectivement retourné, mais il y a monde tout qui retourné, qui regrette que retourné. Ouais, nous parler avec un monsieur, nous pas parler non lit parce que il continue à rester dans la zone. Les retourner, mais il rapidement réaliser ils font gros erreur parce que j'ai regardé configuration zone, j'ai regardé voilà évolution gang, ils comprennent rapidement que
stratégie mandé yo retourner dans zone yo stratégie par exemple connecté avec l'ambassade Saint-Jean qui a distribué l'argent qui a essayé attirer moun yo montrer que finalement c'est pas lui même qui problème zone là de bagarre comme ça c'est de stratégie trompeur yo c'est de stratégie qui fait pour instrumentaliser et utiliser population voilà au cas où tu es capable de gagner deux attaques qui fait dans zone là parce que une zone qui vide c'est seulement bandit là dedans. Il est très facile hein, pour la police, avec quelle que soit force liée, hein, pénétrer et faire des opérations là-dedans. Parce que vous présumez, les gens qui sont dans la zone, hein, c'est des gens qui sont dans le banditisme ou bien qui ont un rapport avec le banditisme. Mais en zone qui gagne de population autre que bandit, il est plus difficile pour faire opération là-dedans, puisque vous obligez de compter sur. Obligé éviter justement que gagner de pertes en vie humaine, beaucoup de population qui n'a pas gagné pour eux avec les actes de banditisme que Nex a rendu coupable depuis plusieurs années qu'on y a. Et alors, l'autre stratégie, c'est que ces questions casées d'infrastructure, la police là, pour dans souci, selon eux, pour éviter que force capvénien joigne de base pour préparer pour capable loger. Yes, absolument. Et c'est une petite tragédie, guerrier. Action gang, ça a opposé dans le pays, et dernière année, ça a tragédie, évidemment, plus grosse tragédie, c'est l'amour monde. De citoyens paisibles, et parfois parmi plus démunis, qui obligé, enfin, qui mourit à cause de l'action gang. Mais une autre grosse tragédie, et nous parlons pour nous parler en pile de bagages, ça, dans l'année qui a venu, c'est perte d'infrastructure. C'est perte d'infrastructure. Les gangs, ça a attaqué de l'infrastructure culturelle. Nous sommes dans Ibo Post, vraiment plusieurs travaux sous l'infrastructure culturelle, bibliothèque, et centre de documentation, puis les gangs attaqué et parfois fait nous perdre de documents. Qui est extrêmement important. Et là, qu'on y a, ils ont attaqué tout. Cette classe d'infrastructure que nous avons construit dans les dernières décennies, ils ont attaqué et ils ont continué à attaquer et essayer de détruire au maximum. Parce que dans le GPA, bagay sa yo symbolize l'état et yo vle détruire yo mais gon intérêt stratégique là dedans tout c'est parce que le bon poste de police par exemple non zone et son poste de police qui est éventuellement capable de servir à n'importe quel moment comme point d'attaque. Ouais, si tu as gagné de vraies opérations qu'a mené contre gang yo, et ben yo profiter craser yo pour yo capable gagner zone de blanc. C'est parce que même bagarre hein, le attaque de zone autour du palais national par exemple ou gain impression oui, il y a pas attaqué parce que bon écoute, il y a besoin de beaucoup plus de territoire, mais craser l'infrastructure là, les rentrer dans un plan global pour assurer beaucoup plus d'hégémonie groupe gang là et pour être capable d'atteindre des objectifs immédiats. Par exemple, pile des autres qui ont fait en bas la ville là, c'était une période où ils ont tenté au maximum pour attaquer par exemple commissariat Port-au-Prince avec toute l'autre infrastructure et institution de l'État qui est autour du lien. Mais heureusement jusqu'à présent et palais national a résisté jusqu'à présent commissariat Port-au-Prince a résisté avec de courageux policiers qui rendent que l'infrastructure ça va continuer Kimbi.